Nous allons poursuivre avec une première partie consacrée aux arguments tirés du contexte général de l'épître aux Corinthiens de Saint Clément de Rome. Je rappelle qu'on a fait une petite introduction avec une sélection de sources anciennes qui parlent de Clément, depuis le pasteur d'Hermas qui parle peut-être de Clément, mais ce n'est peut-être pas le même Clément, jusqu'à Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique au IVe siècle, donc vers les années 420. Eusèbe de Césarée, c'est quelqu'un qui a assisté au Concile de Nicée et qui a même écrit une vie de Saint Constantin. Mais grâce à son histoire ecclésiastique, on a conservé un certain nombre de fragments de textes perdus par ailleurs, dont certains vont être précieux pour notre petite analyse. Donc voilà un premier argument tiré du contexte général, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément, qui fait pas appel à une citation précise du texte, mais qui est une mise en situation qui est censée prouver la suprématie papale, Pastor Eternus. L'Église de Corinthe, cité grecque, fait appel au pape ou à Rome pour résoudre la dissension et attend ses instructions. C'est l'intervention du pape ou de Rome qui tranche la question avec autorité et ramène la paix à Corinthe. C'est là une preuve ancienne et éclatante de la suprématie papale. Donc je l'ai. Ce n'est pas une citation, j'ai mis entre guillemets parce que c'est mis dans la bouche d'un d'un objecteur rhétorique, on va dire. J'imagine un catholique romain tenir ce discours, mais c'est moi qui l'ai rédigé. On entend souvent, en effet, alors voilà un exemple d'une intervention romaine dans une église qui n'a vraiment rien à voir avec l'Occident, avec Rome. C'est pas une intervention dans les églises latines, c'est pas une intervention dans les Gaules, c'est pas une intervention en Espagne. C'est pas une intervention en Italie, attention, c'est une intervention à Corinthe. En pays entre guillemets grec et donc c'est censé prouver la juridiction universelle de l'évêque de Rome. En plus de son autorité à résoudre unilatéralement les conflits. On va voir ce qu'il en est. Première réponse orthodoxe, Corinthe n'était plus alors véritablement une cité grecque, au sens où on peut se l'imaginer, c'est-à-dire au sens de l'époque classique, mais une colonie romaine en cours de réhellénisation progressive. Donc on va consacrer une assez grande partie de cette analyse à recontextualiser ce que c'était Corinthe au 1er siècle de notre ère vis-à-vis de Rome. Et pour ceux que cela intéresse, il y a une vidéo en anglais. Malheureusement, peut-être qu'il existe des équivalents français, je ne sais pas. J'ai trouvé cette vidéo pas mal. Donc un genre de petit documentaire filmé sur les ruines de Corinthe, avec un présentateur qui, sans doute archéologue, mais à l'archéologie biblique, donc il essaye de nous faire imaginer ce qu'était Corinthe à l'époque de l'apôtre Paul, d'après les citations des épîtres aux Corinthiens et des endroits où il se trouve. Donc voilà, petite vidéo de 13 minutes qui peut servir à recontextualiser de manière ludique, et de voir un petit peu à quoi ressemblent actuellement les ruines de Corinthe, qui sont donc sans doute les ruines de l'époque romaine, puisque, comme on le verra, la dernière strate à avoir vraiment survécu, enfin, survécu en ruine, mais c'est la strate romaine. Splendeur et misère de Corinthe, c'est comme ça que j'ai intitulé ce petit rappel historique que je vais faire comme une sorte de seconde introduction. Première introduction, qui est Clément? Deuxième introduction, qu'est-ce que Corinthe à l'époque de Clément? Et voilà un tableau
Tony Robert Fleury, intitulé Le dernier jour de Corinthe, peint au XIXe siècle, qui représente le sac de Corinthe en moins 146 avant Jésus-Christ. En 146 avant Jésus-Christ. On va voir de quoi il retourne tout de suite. Bonne citation de l'historien romain Dion Cassius dans son Histoire romaine, livre 21, chapitre 72. Donc là, on est en 146 avant notre ère. C'est alors que les Corinthiens demeuraient dans la cité, croyant tous leurs citoyens perdus lors de la bataille, l'abandonnèrent. Et elle se trouva vide d'hommes lorsque Lucius Mummius la prit. Après cela, il s'acquit sans résistance à la fois le peuple et le reste des Grecs. Il prit possession de leurs armes, des offrandes qu'ils avaient consacrées dans les temples, des statues, des peintures et de tous les ornements qu'ils avaient. Il fit démolir les murs de certaines cités, puis les déclara toutes libres et indépendantes, excepté les Corinthiens. Quant à Corinthe, il en vendit les habitants comme esclaves, en confisqua les terres et en démolit les murs ainsi que tous les bâtiments, de peur que certains États puissent à nouveau s'unir avec elle comme étant la plus grande des cités de Grèce. Que pour donner le contexte, en fait, il y avait ce qu'on appelait la Ligue Achéenne, qui était une ligue de cités grecques d'Achaïe menée par Corinthe, qui résistait à l'emprise romaine, qui voulait prendre leur indépendance complète vis-à-vis de Rome, et ça a provoqué une suite de fautes, d'erreurs diplomatiques, de mauvais choix ont poussé Rome finalement à mettre complètement à sac Corinthe, pour montrer, en guise d'exemple, pour montrer ce qui arrive quand on s'oppose à Rome. Donc voilà, ils arrivent à Corinthe, qui était l'une des villes, les cités les plus importantes de cette ligue achéenne, et qui correspond au sud de la Grèce, et ils mettent complètement à sac. Ils tuent un certain nombre d'habitants, et puis ils vendent le reste, femmes et enfants et vieillards, comme esclaves, pour montrer à toutes les autres cités grecques ce qui leur arrive s'ils ne soumettent pas, et évidemment tout le monde se soumet. Mais c'est principalement Corinthe qui a essuyé les dégâts les plus importants. Donc, pour éviter que certains d'entre eux demeurent cachés, ou que certains des autres Grecs soient vendus comme Corinthiens, parce que lui, il ne veut pas pénaliser les Grecs qui se sont soumis, il rassembla tous ceux qui étaient présents avant de leur découvrir son dessein. Et après avoir ordonné à ses soldats de les encercler de façon à ne pas attirer l'attention, il proclama la liberté de tous les Grecs, à l'exception des Corinthiens, et la réduction de ces derniers à l'esclavage. Ensuite, leur demandant à tous de s'emparer de ceux des Corinthiens qui se tenaient à leur côté, il put établir une distinction correcte entre eux, c'est-à-dire parmi tous les Grecs qui sont présents, lesquels sont des Corinthiens, lesquels ne sont pas des Corinthiens. C'est ainsi que Corinthe fut réduite à néant. La même fin s'abattit donc à la fois sur Carthage et sur Corinthe, ces anciennes cités. Mais bien plus tard, elles furent colonisées par les Romains, devinrent à nouveau florissantes et recouvrèrent leur situation d'antan. On va voir en effet ce qui s'est passé un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que la première chose, la première date à retenir, 146 avant notre ère, Corinthe mise à sac, les murs détruits, les habitants déportés, on peut dire, comme esclaves en Italie, en grande partie en Italie. Une autre partie des habitants qui ont complètement fui, de toute façon, il n'était plus possible de vivre là. En plus, une humiliation spéciale, puisque les autres Grecs sont déclarés libres, enfin libres sous condition, évidemment, et les Corinthiens pas du tout. Ils vont servir un peu de... Enfin voilà, j'allais dire bouc émissaire, c'est pas des boucs émissaires, mais ils vont servir d'exemple de ce qui peut se passer si les cités grecques veulent toujours se rebeller contre l'emprise romaine. Voilà une citation d'un ouvrage que j'utilise beaucoup pour cette partie de la vidéo, L'Orient romain de Maurice Sartre,
édition du Seuil. Voilà ce qu'il nous raconte. On peut évoquer les guerres dont la Grèce a été victime sans interruption depuis de nombreuses années. Sans remonter trop loin, il suffit de rappeler l'importance des destructions causées par les guerres de Persée contre Rome, celle qui aboutit au désastre de 146, c'est ce dont on vient d'avoir la description par Dion Cassius, et à la destruction de Corinthe, les guerres de Mithridate, les guerres civiles des deux triumvirats. La guerre, phénomène passager, a des conséquences démographiques à long terme. Non seulement les populations grecques eurent leur compte de morts, mais encore on procéda à la déportation massive des survivants comme esclaves en Italie. Il me semble que, consciemment ou non, les auteurs anciens ont bien mis le doigt sur la cause première de l'appauvrissement de la Grèce, la dépopulation. Strabon, Plutarque, Dion y insistent tous. Sans doute étaient-ils d'abord frappés par l'obscurité où étaient tombées des cités autrefois célèbres, chantées par Homère et les poètes. Donc c'est un passage qui exprime bien une réalité démographique, c'est-à-dire que les Romains arrivent, et particulièrement à Corinthe, bon, ils détruisent tout, et tous les habitants qui étaient restés là, qui n'avaient pas fui avant la bataille, ont été déportés en Italie. Donc dépopulation massive. Alors aussi dans le reste de la Grèce, mais peut-être que Corinthe c'était particulièrement le cas. Et en effet, c'était des cités très importantes, très réputées, au grand prestige à l'époque classique, et à la grande époque d'Athènes, de Sparte, les guerres du Péloponnèse. Corinthe, Argos, c'était les grandes villes, les grandes cités grecques. Et parfois, c'est un peu ça qu'on a en tête quand on nous dit Corinthe, les Corinthiens, complètement grec au grec. Mais en fait, ça a cessé d'être vrai en 146 avant Jésus-Christ. Et ça a encore plus continué de n'être pas vrai lorsque les Romains ont décidé de refonder Corinthe et d'en faire une colonie romaine. Mais avant ça, on va s'arrêter sur un événement qui se passe en 107 avant Jésus-Christ. Des légionnaires s'enterrent. C'est pas un événement directement lié à Corinthe, mais ça va être important pour comprendre comment fonctionnent les fondations de colonies, ce qui est sous-jacent. En l'an 107 avant Jésus-Christ, le général et consul romain Caius Marius, dans sa campagne pour lever de nouvelles troupes afin de mettre un terme à la guerre de Jugurtha, décide de réformer les modalités de recrutement de légionnaires. Plutarque rapporte. Il, Marius, fut élu brillamment et aussitôt. Contrairement à la loi et à l'usage, il enrôla beaucoup d'indigents et d'esclaves dans son armée. Jusque-là, aucun général n'acceptait ce genre d'individus dans l'armée. Les armes, comme d'ailleurs toute marque honorifique, étaient confiées à ceux-là seuls qui en étaient dignes et dont les biens constituaient, semblait-il, comme une garantie. Dans les vies parallèles, Marius 9.1. Donc en fait, traditionnellement, dans l'armée romaine, il y avait des citoyens romains avec leurs qui avaient des biens, des propriétés. C'était un privilège du citoyen romain de faire son service dans l'armée. Ce qui se passe avec Marius, qui a besoin de beaucoup plus de soldats pour mettre fin à la guerre de Jugurtha, qui est en Afrique du Nord. Jugurtha, c'était le nom d'un roi de Numidie, il me semble. Un roi numide. Ça faisait des années que cette guerre durait, donc c'était devenu très impopulaire. Et Caius Marius avait un peu basé toute sa campagne pour devenir proconsul sur le fait que lui n'était pas un noble qui connaît rien à la guerre, était capable de mettre fin à cette guerre rapidement. Et son idée, finalement, c'est de profiter de cet état un peu d'urgence où tout le monde attend la fin de cette guerre qui sans doute avale un certain nombre des fonds financiers de Rome et qui n'est pas très rassurant pour l'image qu'on se faisait de la gloire de Rome. C'est cet ennemi qui résiste. Et il décide de faire rentrer dans l'armée des gens qui n'avaient pas du tout leur place dans l'armée auparavant. Donc des pauvres, des gens sans bien, et même des esclaves. Ce qui est un statut complètement différent. La société est faite d'esclaves et d'hommes libres, de citoyens. Enfin, parmi les hommes libres, les citoyens romains et les étrangers, les pérégrins.
Et donc maintenant, ces gens-là qui n'ont pas de biens vont rentrer dans l'armée. Et on va leur promettre, en fait, en plus de la solde, éventuellement, quand ils partent dans la Légion, on va leur promettre, en cas de victoire, des terres, des propriétés sur lesquelles ils pourront commencer finalement une sorte d'ascension sociale où ils pourront acquérir des biens. De même, le célèbre historien romain Salluste, j'ai mis l'image de la guerre de Jugurtha, un célèbre récit historique, Salluste. Il, Marius, ne laissait pas cependant de mettre au premier rang la préparation de la guerre, complétant l'effectif des légions, faisant fournir des troupes auxiliaires par les peuples, les rois, les alliés, appelant auprès de lui les plus braves soldats du Latium. Et à force de démarches, décidant des vétérans libérés du service à partir avec lui. Il arrive même, à force de démarches et par son charisme personnel de général, il arrive même à convaincre des vétérans qui ont déposé les armes à reprendre les armes. Et le Sénat, malgré son hostilité, n'osait rien lui refuser. C'est même avec plaisir qu'il avait voté les levées supplémentaires, parce que l'on croyait que la plèbe était opposée au service militaire et que Marius devrait renoncer soit aux moyens de faire la guerre, soit aux sympathies de la foule. La guerre de Jugurtha, chapitre 84. Et plus loin, lui-même cependant lève des recrues, non suivant l'ancien usage et d'après les classes, mais en acceptant tous les volontaires, prolétaires exclus du service pour la plupart. Idem, chapitre 86. Ça, c'est important pour comprendre le changement qui se fait dans les modes de recrutement de l'armée, donc dans la loi romaine. C'est des réformes qui rentrent dans le droit romain, qui survivent à Caius Marius, et qui expliquent ce qui se passe à Carthage lorsque Jules César décide de fonder une colonie sur ce qui était devenu une petite bourgade en fait. C'est devenu une bourgade avec quelques habitants, mais ce n'était plus la cité de Corinthe. Voilà ce que raconte Plutarque dans les vies parallèles, dans la vie consacrée à Jules César. Convaincu que la sympathie était la plus belle et la plus sûre des escortes dont il put s'entourer, il, César, entreprit une fois de plus de s'attacher le peuple par des banquets et des distributions de blé, et l'armée par des colonies. Armée qui maintenant est potentiellement constituée de latins sans terre. Les plus illustres furent Carthage et Corinthe. La fortune fit donc que ces deux cités, qui avaient autrefois été prises en même temps, en moins 146, furent alors reconstruites en même temps, en moins 44. Donc c'est en moins 44, assez peu de temps avant son assassinat, en fait, que Jules César décide d'envoyer des colons, alors des milliers de colons. On parle de 3 000 envoyés à Carthage et à Corinthe. Ce que j'ai mis en note, Jules César aurait envoyé d'Italie environ 3 000 citoyens romains afin de peupler sa nouvelle colonie de Corinthe. J'ai trouvé les mêmes chiffres pour Carthage. Je ne sais pas si ces estimations sont correctes, mais ça donne une idée. On a une petite bourgade avec quelques Grecs qui doivent traîner là, mais c'est des ruines à peine reconstituées. Et tout d'un coup, Jules César arrive et envoie 3 000 Romains. Donc, déjà, et puis avec tout le processus que suppose la fondation de colonies romaines, c'est tout un processus de rationalisation des espaces, de découpage de districts, de comment orienter les constructions, etc. C'est assez bien décrit dans un ouvrage que je cite plus loin, mais j'ai pas pu rentrer dans le détail. Donc, si ça vous intéresse. Tout ce qui concerne la rationalisation du territoire. Quand des Romains décident de fonder une colonie, il faudra aller lire la thèse de Xavier Bouteiller, il y aura les références plus tard, sur le territoire de Corinthe depuis l'Antiquité classique jusqu'au Flavien. Donc ça va jusqu'à Vespasien, il me semble. En tout cas, continuons avec Splendeur et misère de Corinthe. Avec Maurice Sartre, les deux changements les plus notables en Grèce furent la fondation des colonies de Corinthe en 44 avant Jésus-Christ et de Patras en 15.
Les colonies, peu nombreuses en Achaïe et en Macédoine, qui étaient deux provinces romaines différentes, donc Macédoine, le nord de la Grèce, la Macédoine, une bonne partie des Balkans, et l'Achaïe, c'était la partie sud qui comprenait le Péloponnèse et Corinthe. Donc les colonies, peu nombreuses en Achaïe et en Macédoine, comme dans tout l'Orient avant l'époque des Sévères, c'est-à-dire après Saint Clément de Rome, après le 1er siècle, étaient destinées non seulement à lotir des vétérans, mais à redonner vie à des régions largement ravagées par les guerres du 1er siècle avant Jésus-Christ. César avait fondé dans cette intention la colonie de Corinthe, Colonia Laos Iulia Corinthiensis, en 44 avant Jésus-Christ, sur le territoire de l'antique cité, détruit en 146. Donc en moins 146. Dans un site commandant à la fois les communications entre le Péloponnèse et les régions continentales, mais aussi entre le golfe Saronique et le golfe de Corinthe. Ces deux golfes et Corinthe, ce qu'on appelle l'isthme de Corinthe, qui est un endroit stratégique pour le commerce, se trouve entre ces deux golfes. D'un côté la mer Égée, de l'autre la mer Adriatique, il me semble. Auguste, donc le fameux empereur Octave Auguste, reprit cette politique de fondation coloniale, c'est lui qui succède finalement à César, pour installer des vétérans. Il démobilisa de très nombreuses troupes après Actium, qui est une grande victoire romaine, la bataille d'Actium. Et des Italiens sans terre. Actium qui est en Grèce d'ailleurs. Il y a beaucoup de guerres qui avaient eu lieu sur le territoire de Grèce, d'où en fait une grosse dépopulation et le besoin de repos, de repopuler, je ne sais pas si ça se dit, le besoin de ramener des colons, et évidemment, c'était l'occasion de remplir les promesses de terre données aux soldats sans terre, aux légionnaires, même ceux qui avaient des terres mais qui voulaient en acquérir plus. On va donner tous ces endroits qui ont été ravagés et dont la population a été déplacée, tuée, à des légionnaires, des Italiens sans terre. Et donc, il y a une note de Maurice Sartre, à la même page. Une colonie est à l'origine destinée à recevoir des citoyens romains ou des Italiens sur un territoire pris aux vaincus. La pratique de la déductio, l'action de fonder une colonie, qui existe encore sous Auguste, donc Auguste entre Jules César et Tibère, si je ne me trompe pas. Donc c'est la fin du 1er siècle avant notre ère, jusqu'au début du 1er siècle de notre ère, ne se trouve plus au-delà du règne d'Adrien. Le règne d'Adrien, c'est bien après l'époque qui nous intéresse. Et qu'Adrien est déjà au second siècle, il me semble. Donc voilà, on a. Première date, 146, destruction de Corinthe, déportation des Corinthiens qui étaient restés dans la ville. 44, refondation par Jules César qui envoie des milliers de Romains comme colons. Et ensuite, à l'époque d'Auguste, en moins 27, il rationalise tout ça au niveau du droit, de la loi, etc., en créant les provinces de l'Empire romain, différentes provinces. Donc, il crée la province d'Achaïe, dont la capitale sera Corinthe. Voilà justement la capitale impériale de l'Achaïe, donc c'est cette province-là. On a le Péloponnèse, l'Attique, là où se trouve Athènes, on a l'isthme de Corinthe ici, et ici ça se découpe, ça devient la Macédoine au-dessus, une grande partie. Sud des Balkans, dont la capitale provinciale était Salonique. Alors Nicopolis était une ville importante, je ne sais pas si elle avait un statut équivalent, mais l'Achaïe c'était Corinthe et la Macédoine c'était Thessalonique. Deux villes importantes, c'est pas pour rien que Paul va y fonder des églises. Puisque c'est quand même dans les églises importantes, dans les villes importantes que les grandes églises ont été fondées. Là, on voit la province d'Asie,
On parlera plus tard avec Éphèse comme métropole, la Thrace, la Mésie supérieure, la Dalmatie. Et donc là, on a la mer Égée, le golfe de Corinthe. Là, on a la mer Adriatique et là, le golfe Saronique. Alors, Maurice Sartre nous dit, en moins 27, donc Auguste, l'Achaïe, capitale Corinthe, fut détachée de la Macédoine et devint une province sénatoriale confiée à un gouverneur de rang prétorien. Donc, ce sont des terres qui appartiennent au Sénat. Cette situation demeura inchangée durant 3 siècles, à quelques exceptions près. D'une part, entre 15 et 44 après Jésus-Christ, elle fut de nouveau réunie à la Macédoine. Donc, ces deux provinces sont devenues une seule province. Et toutes deux furent confiées au légat de Mésie pour faire face aux menaces barbares. En 44, la province retrouva son autonomie administrative, ça sous l'empereur Claude, mais en 67 ou 66, une hésitation des historiens, elle cessa d'exister lorsque Néron proclama la liberté de toutes les cités qui la constituaient. On reviendra là-dessus plus tard. Xavier Bouteiller, dont j'ai parlé précédemment, donc sa thèse de doctorat s'appelle Le territoire de Corinthe, transformation politique et aménagement du paysage, de 440 avant Jésus-Christ jusqu'à 96, qui est justement l'année probable de la rédaction de l'épître aux Corinthiens de Saint Clément de Rome. Donc ça va jusqu'à précisément l'époque qui nous intéresse. Que nous dit-il? Même si Corinthe n'avait pas un rôle aussi déterminé que celui de Rome pour l'Empire, le gouverneur qui y résidait gouvernait l'Achaïe. Donc c'était la capitale d'une province. Ce n'est pas seulement par sa monnaie ou ses jeux qu'elle avait un rôle prépondérant. Donc les fameux jeux ismiques, qui sont des jeux comme les Jeux olympiques, qui est très important et très populaire, qui avait un rôle socio-économique et religieux important. Son statut de colonie romaine ainsi que l'origine romaine de ses colons en faisaient naturellement un relais indispensable pour Rome en Grèce. Par conséquent, Corinthe était bien, comme l'écrivait Apulée, la caput, c'est-à-dire la tête, le chef de l'Achaïe. Là d'où vient le mot adjectif capital, caput. Et donc, Apulée appelle Corinthe la caput de l'Achaïe dans Les Métamorphoses, livre 10. Et on trouve la même expression chez Florus, un historien de l'époque, dans son Épitome, livre 1. C'est les références citées par Xavier Bouteiller. Donc, on constate que Corinthe, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un miroir de la société, de la romanité en pleine Grèce. Et un relais indispensable au niveau commercial aussi. On va voir ça. Épicentre commercial entre l'Orient et Rome. Donc là, c'est les réseaux commerciaux. On voit par mer, par terre. Et par mer, évidemment, l'un des parcours, des itinéraires principaux pour aller de l'Orient jusqu'à Rome, c'est de passer ici par l'isthme de Corinthe. Ensuite, on rejoint la Dalmatie, Ancône, et on peut rejoindre Rome. Ou alors, on passe par l'isthme de Corinthe, puis entre la Sicile et le bout de la botte. Et voilà, on arrive à un port, soit du côté ouest, soit du côté est de l'Italie, et ensuite on arrive à Rome. Parce qu'en fait, le passage par ce qu'on appelle le Cap Malais, le cap du sud du Péloponnèse, était assez risqué, et assez craint des navigateurs. Donc on préférait arriver ici, et donc on allait en transport de l'autre côté, faisait retransporter les marchandises dans un autre bateau qui partait. Soit on avait mis en place aussi à l'époque le Diolchos, qui était
un passage sur terre où on pouvait faire glisser les bateaux d'un port à l'autre. Là, on voit un peu mieux sur la droite, l'isthme de Corinthe, que les Romains ont toujours eu le projet de percer. Si on perce l'isthme, ça fait un canal. Et on pourrait aller directement d'une mer à l'autre, mais c'était des travaux énormes qui n'ont jamais abouti à l'époque antique. C'est un grand fantasme de percer l'isthme de Corinthe. Et on voit là Corinthe, la Corinthe ancienne ici, jusqu'en 1858. Là, c'est la Corinthe moderne. Et donc il y avait un port d'un côté et un port de l'autre. Alors je me suis trompé, le golfe Saronique, c'est celui qui est du côté de la mer Égée, apparemment. Et le golfe de Corinthe, côté de l'Adriatique. Corinthe, épicentre commercial entre l'Orient et Rome. Maurice Sartre, l'accès de Corinthe aux deux mers, comme on vient de voir, l'Ionienne, c'est la mer Ionienne, par le port de l'Escheion sur le golfe de Corinthe, l'Égée par Sancrée sur le golfe Saronique, était un avantage reconnu depuis longtemps. Donc en fait, là, c'est ce qu'on appelle la mer Ionienne. L'Adriatique, c'est plus haut. Dès l'époque archaïque, on avait essayé de faire passer les bateaux par un chemin de terre, le Viol Ross, dont je viens de parler, pour éviter de doubler les caps sud du Péloponnèse, le cap Malais, évidemment parce que c'était plus risqué. En revanche, plusieurs tentatives pour percer l'isthme échouèrent. César, Caligula, Néron firent entreprendre des études et commencèrent même les travaux sans succès. Quoi qu'il en soit, avec ou sans canal, cette situation unique permettait à Corinthe de jouer un rôle d'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Depuis la disparition de Délos comme entrepôt de la Méditerranée, après le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, Corinthe apparaît comme le principal centre d'échange de cette région de la Méditerranée. Et on voit là, notamment en effet par le récit de Saint Hégésippe que lui, pour aller de Palestine jusqu'à Rome, il passe par Corinthe. Et Saint Paul, c'est pareil, il passe par Corinthe pour aller à Rome. Il repasse par Corinthe pour retourner en Asie mineure ou autre, ou en Palestine. Mais Corinthe, c'est un peu la ville relais. En tout cas, l'une des villes relais à laquelle on pense avant tout quand on veut faire étape, soit de l'Orient vers l'Occident, soit de l'Occident vers l'Orient. Là, je fais un petit aparté sur les lettres. Comment les lettres voyageait d'un bout à l'autre de l'Empire et quelles conséquences ça a sur les choix qu'on fait quand on adresse une lettre à l'époque. Donc, lettres, voyageurs, porteurs et réseaux routiers s'écrirent dans l'Empire romain. Les Romains écrivent beaucoup et dans toutes les occasions. Les citoyens eux-mêmes échangent une correspondance abondante quand ils ne se mettent pas à écrire des livres. Les hommes publics s'entourent ainsi d'un bataillon plus ou moins fourni d'esclaves scribes à qui ils dictent tout ce qu'ils produisent, tandis que d'autres recopient en plusieurs exemplaires l'œuvre du maître. On est toujours dans ce système de copie sur papyrus avec de l'encre et un stylet, puisqu'évidemment c'est le moyen le plus économique à l'époque de produire des livres et de transmettre les œuvres littéraires. C'est pareil pour les lettres, c'est sur papyrus avec de l'encre. Et ce qui coûte de l'argent, c'est surtout de payer les scribes et puis les coursiers, en fait. Puisqu'ils vont à pied, enfin, certains allaient peut-être à cheval, mais la plupart qui vont à pied, c'est des jours, des semaines de voyage, donc il faut imaginer le tarif pour envoyer une lettre. Sauf si on l'a fait porter par un ami, justement. Cette grande frénésie de communication nécessiterait un véritable réseau postal. Mais il n'existe, il ne s'organise qu'à partir d'Auguste, c'est-à-dire un peu avant l'époque de Saint-Clément de Rome. Encore est-il réservé au service de l'État. Donc, en fait, le citoyen romain de base n'a pas du tout de réseau postal à sa disposition. Les particuliers ne peuvent bénéficier d'un tel service. Généralement, ils confient leurs lettres à des amis qui se rendent là où habite le destinataire.
C'est ce que font aussi les chrétiens qui envoient disons des hommes fiables, fidèles de leur église, vers l'autre église, pour porter la lettre. Et on remarque ça dans les lettres de Saint Paul, notamment, je vous envoie un tel qui est très bien, plein de vertus, accueillez-le comme un frère, etc. Et c'est le cas évidemment de l'épître des Romains aux Corinthiens. Le courrier peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour arriver. S'il s'agit d'un message urgent, les riches le confient à des esclaves réservés à cet usage, espèce d'agent de la poste privée. Dans ce cas, la transmission d'une missive est très onéreuse. Donc ça ne va pas être l'option la plus courante chez les chrétiens, sauf ceux qui seraient de sang noble, qui auraient les moyens. Il y avait notamment des femmes de la noblesse qui se convertissaient très tôt. Mais bon, la plupart, ils vont plutôt envoyer des gens de confiance, qui, pour une raison ou pour une autre, se rendent à tel ou tel endroit. Les voyages ne sont pas rapides. Ils s'effectuent par mer, car le bateau est sans doute le moyen le plus commode et le moins lent. Tout dépend des vents et des courants, sans parler des pirates, qui souvent aussi rendent les voyages aléatoires. Sur terre, seuls les riches possèdent chevaux ou voitures, voitures attelées, des chevaux évidemment, peuvent accomplir environ 60 km par jour grâce au relais. D'abord tracées dans un but militaire, les routes dessinent une véritable toile d'araignée dont le centre est Rome, évidemment. L'épicentre, toujours Rome. Elles sont balisées de bornes miliaires qui calculent la distance depuis Rome. Auguste a fait ériger le miliaire d'or sur le forum pour marquer le centre de l'Empire. Donc on voit que la manière dont les routes se sont développées, en fait, c'est toujours par rapport à Rome. Pour que facilement on puisse retourner à Rome, partir de Rome, etc. Donc envoyer une lettre à Rome, c'était beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux, du fait que beaucoup de gens y allaient, que ce n'était pas une destination rare ou difficile à atteindre, que d'envoyer une lettre parfois à un endroit qui pouvait sembler plus proche, mais qui était en fait beaucoup moins facilement accessible à cause des limites du réseau routier et de l'absence de réseau postal efficace, ou disons, oui, véritablement efficace et rapide, sauf pour l'administration impériale. Donc ça, c'est ce qu'on trouve, des informations de base dans le guide des civilisations aux belles lettres sur Rome. Jean-Noël Robert, il y a sans doute des ouvrages qui donnent des informations plus précises. Je suis resté sur des généralités. Et concernant plus particulièrement les échanges épistolaires et communions des églises, à l'époque qui nous intéresse, la lettre à l'époque joue un rôle considérable dans la vie publique, privée et religieuse. Elle est un lien qui noue des relations entre communautés dispersées, qui se consultent, s'informent, s'entraident. Visiteurs et voyageurs sont souvent porteurs d'un message de l'Église d'origine. Les communautés s'écrivent, les évêques plus particulièrement entretiennent entre eux et avec les communautés une correspondance qui va en s'amplifiant. Lien entre les communautés, la lettre veut d'abord affermir et assurer l'unité à l'intérieur, autour de l'évêque et des ministères établis, ensuite à l'extérieur avec d'autres communautés nées de la même Pentecôte. Unité de conduite dans la concorde et la charité, unité d'orthodoxie et d'enseignement, quand commencent à se manifester les faux prophètes, pour encourager la fidélité au message transmis par les apôtres. Ça, c'est tout à fait pertinent pour la lettre aux Corinthiens que l'Église de Rome envoie en 96. Il s'agit d'exhorter, d'encourager, favoriser l'unité, la charité, la communion entre les églises. La solidarité entre les diverses églises s'affirme particulièrement en temps de persécution de la part de l'Empire, mais aussi quand des difficultés, des tensions, des conflits secouent et éprouvent une communauté, ce qui fut le cas à Corinthe vers l'an 96. C'est justement dans l'introduction de Amman à ce publication de l'édition Migne, qui s'appelle Les Évêques apostoliques, qui contient juste l'épître de Saint Clément, les lettres de Saint Ignace d'Antioche et la lettre de Saint Polycarpe de Smyrne, dont on a parlé,
et le martyre de saint Polycarpe, qui est l'un des plus anciens actes, plus anciens actes de martyr, en est conservé, encore une fois, grâce à Eusèbe de Césarée. On aura l'occasion d'en citer des passages. Le peuplement de Corinthe. La variété du peuplement de la cité ressort bien mal des trouvailles épigraphiques. Sur 104 inscriptions datées entre 44 avant Jésus-Christ, donc la date de la fondation de la colonie romaine, et le règne d'Adrien, c'est bien au second siècle, de 117 à 138, 101 sont en latin. Évidemment, ce sont des inscriptions sur pierre, c'était pas le moyen le plus courant d'écrire des choses, c'est fait par l'administration. Et donc la langue de l'administration impériale, c'est le latin. En revanche, après Adrien, à Corinthe, comme dans bien d'autres colonies, on assiste à une re-hellénisation rapide. Donc après Adrien, c'est la deuxième partie du second siècle. À l'époque de Saint Clément, la re-hellénisation est encore balbutiante. Enfin, culturellement, politiquement, Corinthe est une ville latine, romaine. Ethniquement, c'est plus compliqué, mais disons, dans la manière de s'identifier, Corinthe, capitale de la province romaine d'Achaïe, Corinthe, colonie romaine, qui bénéficie des privilèges qui vont avec, etc. Cette prédominance du latin rappelle seulement le statut colonial de la ville, mais ne reflète sûrement pas le peuplement réel. Évidemment, il faut distinguer les deux. Certes, les Romains d'origine sont nombreux, mais il existe une communauté grecque, au moins aussi nombreuses, et des éléments orientaux. Les actes des apôtres attirent l'attention sur l'importante communauté juive qui existe au milieu du 1er siècle, renforcée par certains des juifs chassés de Rome par Claude en 41 ou 49. Donc Claude, c'est l'empereur romain qui succède à Caligula et qui précède Néron. C'est lui qui rend en 44 à Corinthe son statut de capitale de la province d'Achaïe. Et en effet, Suétone nous raconte qu'il expulse les juifs, mais en fait, les juifs, dans le passage, on voit que c'est des juifs et des chrétiens, en fait. Enfin, il n'y a pas de distinction du point de vue impérial romain à cette époque entre ceux qui confessent le Christ et ceux qui renient le Christ. Tout ça, pour eux, c'est des courants à l'intérieur du judaïsme. Donc on se rend compte, en fait, que Claude a expulsé une grande partie des chrétiens de Rome, et certains se sont retrouvés à Corinthe. Encore un lien particulier qui se crée entre Rome et Corinthe, qui là vise en particulier la communauté juive dont en fait les chrétiens font partie du point de vue romain. Donc on a une allusion de saint Paul, le cas d'Aquilas, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait enjoint tous les juifs de sortir de Rome. Et bon, Aquilas est un converti au christianisme, mais il s'est fait expulser comme juif de Rome. Actes des Apôtres 18, 2. Ensuite, Suétone, dans la vie des 12 Césars consacrée à Claude. Comme les juifs se soulevaient continuellement, à l'instigation d'un certain Crestos, il, Claude, les chassa de Rome. Et c'est l'une des attestations anciennes officielles de l'existence du Christ des chrétiens au premier siècle. Parce qu'en fait, à l'instigation d'un certain Christos, c'est évident que c'est le fruit d'une mécompréhension de l'historien, et de ne pas connaître grand-chose à cette histoire-là. Mais donc, évidemment, il s'agit de luttes et de conflits entre les juifs qui refusent de croire que le Christ est le Messie et ceux qui forment les premières communautés chrétiennes. Et donc, ils sont en conflit sur la foi en Christ, mais le Christ est déjà crucifié, mort et ressuscité. Donc, évidemment, c'est pas à son instigation que le conflit a lieu, mais c'est à son endroit, en fait, à son sujet. Alors, Christos, c'est une variante courante à l'époque pour Christos, dans les textes latins. Il y avait peut-être une confusion avec l'autre mot grec, avec eta, Christos, mais je n'en sais pas plus là-dessus. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que Corinthe, c'est quand même, au niveau de son identité, c'est d'abord romain, mais évidemment, il y a beaucoup de Grecs qui sont là,
depuis la fondation de la colonie, il y a quand même des gens qui sont venus de Grèce à Corinthe. Des Orientaux et des Juifs, dont certains, des chrétiens chassés de Rome, qui sont des Romains aussi finalement. Ensuite, vers 73 après Jésus-Christ, l'empereur Vespasien abolit la liberté administrative et l'exemption fiscale que Néron avait spectaculairement accordée en 66 ou 67 à toute l'Achaïe. Donc Néron décide de faire un grand tour de la Grèce, de faire tous les jeux olympiques, jeux isthmiques, etc. Et donc, il va participer aux Jeux isthmiques à Corinthe. Et à l'issue de cette grande tournée racontée par Suétone dans la vie de César, il accorde la liberté à toute la province d'Achaïe et à toutes les cités grecques. Donc ça voulait dire plus d'impôts donnés à Rome. C'était un geste de grande générosité. Difficile à savoir ce que Néron avait en tête, mais en fait, on lui fait gagner tous les concours, on se plie à à tous ses désirs, et à la fin, il récompense les Grecs en les libérant de joug fiscal, en tout cas, et sans doute politique. Et donc ça dure pas très longtemps, puisque Néron ensuite ça tourne mal, et Vespasien annule cette situation en 73. Donc c'est une situation d'indépendance qui a duré de 66, 67 jusqu'à 73. Cette dernière, donc Corinthe, redevint alors province sénatoriale, comme c'était le cas avant. Pour des raisons qui demeurent incertaines, Vespasien retira même à Corinthe le droit de frapper sa propre monnaie. Donc là, il y a un retour en force de l'autorité romaine. Parce que le droit de produire sa propre monnaie, c'était un certain gage d'indépendance économique, en fait. Même si on était soumis politiquement à Rome, on pouvait avoir une certaine indépendance économique en battant sa propre monnaie. Alors, le fait d'interdire ça montre que Vespasien voulait marquer le coup, manifestement, en disant attention, maintenant vous allez vous souvenir que vous êtes conquis par Rome. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à l'époque. Il y a peut-être eu de nouveaux soupçons de révolte, en tout cas, vers la fin des années 70, suite au terrible séisme qui affecta gravement Corinthe en 77, il fit reconstruire la ville et même la refonda en lui attribuant le statut spécifique de colonie romaine sous le nom de Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis. Donc la ville est à nouveau détruite en grande partie par un tremblement de terre, et c'est encore une fois un empereur romain qui va fonder à Corinthe, enfin, il y a une reconstruction, pour en faire à nouveau une colonie romaine, et donc une colonie romaine qui n'est pas identique à la précédente, mais qui, puisque la ville est détruite, on reconstruit un peu différemment. Et ça réaffirme en fait le statut et l'impact et l'influence de Rome dans l'identité corinthienne. Le lien économique et sociopolitique de Corinthe avec la capitale impériale et le Sénat romain, puisque c'est une province sénatoriale, en sortit plus fort que jamais. Voir Xavier Bouteiller, la thèse que j'ai citée précédemment, et en parle plus précisément, plus longuement. Suétone, Vie des Douze Césars, le livre 8 sur Vespasien, qui fait allusion à ça. Donc là, on est juste avant, enfin un peu de temps avant, une vingtaine d'années avant l'époque de la rédaction de l'Épître aux Corinthiens, et on voit que Corinthe vient d'être re-romanisée, si on veut. C'est en cours d'hellénisation, mais du point de vue symbolique, du point de vue politique, du point de vue de l'identité sociopolitique de la ville, c'est une cité romaine, c'est une colonie romaine, c'est un statut spécifique. C'est pas comme n'importe quelle métropole de province. Et avec intervention directe de l'empereur. Donc on imagine qu'il renvoie à nouveau des colons, en fait. Manifestement. C'est ce que suppose en fait la fondation d'une colonie avec on change le titre, on change le statut.
C'est pas simplement un changement sur le papier de statut, c'est vraiment on renvoie des gens pour coloniser, s'installer à Corinthe. Là, on a une représentation hypothétique à partir des ruines, l'apogée de Corinthe au IIe siècle. Donc c'est cet état-là qu'on retrouve dans les ruines de Corinthe qu'on peut visiter. Enfin, ça correspond à peu près à cette époque de Corinthe. Reconstitution de Corinthe à l'époque des pérégrinations de Pausanias, qui est un voyageur grec qui a écrit la description de la Grèce au IIe siècle après Jésus-Christ. Et là, je vous propose de regarder une carte que j'ai trouvée qui est extraite d'une encyclopédie anglaise, The National Encyclopedia, de William Mackenzie, fin 19e siècle. Et donc ça, c'est l'Empire romain, comme c'est écrit, en 117 de notre ère. Annus Domini 117. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé pourquoi, il doit y avoir une raison, on voit que toute la partie Balkan, Macédoine, Grèce est de la même couleur que l'Italie, la Bretagne, la Gaule, l'Espagne, enfin tout ce qu'on appelle la partie occidentale de l'Empire romain. Et alors que la partie orientale commence avec l'Asie mineure, la Syrie, donc plus précisément l'Orient, et la Palestine. Et dans une autre couleur encore différente, on a, je ne sais pas pourquoi, dans la même couleur, la Mauritanie, l'Afrique proconsulaire, la Numidie, la Cyrénaïque et l'Égypte. Alors, il n'y a pas précisé à quoi correspondent les couleurs, sur quoi c'est basé. Un petit zoom. Et c'est intéressant de voir que sur cette carte, au IIe siècle, il y a une distinction territoriale entre une partie occidentale en rose, dont la Macédoine et l'Achaïe font partie. On a Corinthe ici. Et la partie, les parties orientales, en fait, c'est l'Asie mineure, la Syrie, la Palestine. Ce qui correspondra plus tard au patriarcat de Constantinople, d'Antioche, de Jérusalem, et ici d'Alexandrie. Alors c'est encore dans une autre couleur. Évidemment, à cette époque-là, on ne parle pas encore de patriarcat. On voit déjà une certaine division du territoire en plusieurs groupes. On a un groupe occidental en rose, un groupe oriental en vert, et un groupe septentrional, on peut dire, en jaune. Et ça correspond presque, pas exactement, au découpage qu'on appelle la pentarchie, c'est-à-dire les cinq patriarcats qui sont clairement dessinés entre le 4e et le 5e siècle, ça se met plus clairement en place, entre le concile de Nicée et le concile de Chalcédoine. Et on voit que la différence, c'est que toute la partie de l'Afrique latine, en fait, donc l'Afrique proconsulaire, la Numidie et la Mauritanie, font partie du patriarcat occidental, patriarcat romain, ici. Alors que sur cette carte-là, c'est raisonné autrement, c'est une autre époque aussi, tout est en jaune, tout ce qui est au nord de l'Afrique. Là, on est en 565 de notre ère, donc on est au 6e siècle. On est bien après, mais on voit que ce qui reste, c'est que la Grèce, la majeure partie de la Grèce, fait partie du patriarcat de Rome, patriarcat occidental, ce qu'on appelle l'Illyrie, ici. L'Illyrie orientale, Illyricum orientalis, dont Corinthe faisait partie, ne fut transférée sous la juridiction du siège de Constantinople que vers l'an 730 après Jésus-Christ. Donc 200 ans après la carte, un peu moins de 200 ans après la carte. Avant cette date, tous les sièges de Grèce, la Crète y comprise, qui est ici, Gortyne, sont traditionnellement sous juridiction romaine. Ici en rouge à gauche, en rose à droite, excepté la Palestine. Donc là, ce qu'on voit là, c'est sous juridiction romaine. Là, c'est le patriarcat de Jérusalem. Ils l'ont mis dans la même couleur, je ne sais pas pourquoi. Ils n'avaient plus assez de couleurs. Là, on a le patriarcat d'Alexandrie,
C'est une carte qui s'intitule Patriarcat orientaux. On a le Patriarcat d'Alexandrie en jaune, l'Égypte, la Libye, la Pentapole. On a le Patriarcat de Jérusalem ici en rose. On a le Patriarcat d'Antioche en vert foncé, ici, avec Chypre, mais bon, Chypre était une église autocéphale, donc il a tout. Et le Patriarcat de Constantinople en vert clair, avec la Thrace, le pont, l'Asie, la Cappadoce, etc. Et là, en rose, toute cette partie qu'on appelle l'Illyrie orientale fait partie du patriarcat d'Occident. Donc en fait, on a souvent cette vision post-8e siècle de la Grèce sous juridiction constantinopolitaine, donc de la Grèce plutôt du côté des églises orientales que occidentales, mais en fait, c'est tout à fait faux. Jusqu'à justement ce changement de juridiction qui a lieu en 730. Jusque-là, les églises de Grèce ne sont pas des églises des patriarcats d'Orient. Elles parlent le grec sans doute, elles ont des liens culturels forts avec l'Orient sans doute, mais au niveau juridictionnel, au niveau du territoire canonique, ce sont des églises qui relèvent de Rome. C'est important de se rendre compte, même si c'est une répartition du territoire qui se matérialise plus tard, c'est pas basé sur rien du tout. C'est basé sur des réalités politiques, administratives qui existaient en partie déjà plusieurs siècles avant que ça soit déclaré officiellement comme les cinq patriarcats. Donc en fait, ça suppose cette carte-ci est. Qui elle est censée représenter en 117, à l'époque de l'empereur Adrien, et celle-là montre que le découpage entre Orient et Occident ne se fait pas entre l'Italie et la Grèce, mais entre la Grèce et l'Asie mineure, en fait. Maintenant, pourquoi une lettre en grec, puisque si c'est une colonie romaine, pourquoi est-ce que c'est pas en latin? Comme les églises africaines qui sont latinophones, etc., etc. Parce que durant toute la période hellénistique, au sens large, je la fais continuer jusqu'au premier siècle de notre ère, et dans toute la Méditerranée, mais en particulier en Méditerranée orientale, le grec demeure la seule véritable lingua franca, c'est-à-dire la langue de communication par défaut dans les échanges commerciaux ou diplomatiques entre personnes de diverses origines. On appelle parfois aussi la langue véhiculaire. Mais aussi la langue culturelle de prestige favorite aussi bien au sein des élites romaines que dans l'armée, et ce au moins jusqu'au IIe siècle. À tel point que certains auteurs romains écrivent en grec par mode en fait. Il y a une mode du grec chez les élites romaines, même chez ceux qui ne connaissent pas si bien que ça le grec, mais écrire en grec c'est le nec plus ultra du snobisme romain en quelque sorte. À tel point que l'empereur Claude compose des œuvres en grec. D'autres exemples chez les païens, mais évidemment c'est pareil chez les auteurs chrétiens. Les communautés juives de la diaspora se sont depuis longtemps hellénisées et utilisent couramment la version grecque des Septante pour lire la Torah, les écrits et les prophètes. Dans les milieux chrétiens, le grec, langue scripturaire, la Septante, apostolique, évangile, acte, Saint Paul, Saint Jean, et liturgique, utilisé même à Rome jusqu'au IIIe siècle, la liturgie grecque. En Occident, est la liturgie des chrétiens jusqu'au IIIe siècle, et dans d'autres endroits, ça restera encore plus longtemps, notamment dans le sud des Gaules. Et par excellence, donc c'est la langue liturgique, la langue scripturaire apostolique et liturgique par excellence, elle tenait une place équivalente, sinon encore plus élevée, que chez les païens. Au début du IIIe siècle, un grand exégète et théologien comme Saint Hippolyte de Rome compose encore l'entièreté de son œuvre dans la langue des Hellènes. Et en fait, même Tertullien, qui est considéré comme le premier grand auteur chrétien de langue latine, a écrit en grec aussi. Simplement, on n'a pas conservé ses œuvres grecques, on n'a conservé que ses œuvres latines. Saint Ambroise de Milan connaissait très bien le grec, il cite parfois les termes grecs dans ses œuvres. Il pouvait lire le grec parfaitement.
Mais à partir du 4e siècle, quand même, ça commence à devenir un luxe et un signe de personnes érudites. C'est plus une mode courante et banalisée comme à l'époque de Claude et encore à l'époque de Saint-Hippolyte de Rome, mais il y en a encore des latins qui connaissent très bien le grec, comme Saint Ambroise. Mais Saint Augustin, par exemple, connaît très mal le grec, il le dit lui-même. C'est un premier gap, on peut dire un premier gouffre qui commence à se créer, qui est linguistique, à partir du 4e, 5e siècle. Alors Xavier Bouteiller nous dit, en plus, la société corinthienne paraît dès la moitié du 1er siècle très dynamique, industrieuse pour une partie, débauchée pour une autre, mais préoccupée par son salut. Paul se trouve dans une colonie romaine environnée et pénétrée de culture grecque. Il faut bien distinguer ce qui est sociopolitique, qui est l'identité politique, et ce qui est de la culture, de la langue. Or, si le latin domine, il est présent sur 104 des 107 textes recensés avant Adrien. C'est pour ça que Maurice Sartre disait que l'épigraphie ne représente pas avec justesse la réalité linguistique. Il concerne surtout la structure administrative de Corinthe. En fait, Paul s'adresse aux Corinthiens en grec, langue véhiculaire par excellence, langue du peuple, mais aussi celle des élites romanisées. C'est-à-dire que même les Romains se sont pris, ont pris goût au grec, une grécomanie véritable chez les intellectuels, mais même chez les moins intellectuels, en particulier chez les élites. Il faut réaliser que la situation même de la cité, son rôle de capitale de la Grèce, et de points de convergence de marchands grecs conditionnait l'usage de plus en plus fréquent du grec, même comme langue officielle et administrative, au second siècle. Donc ça, c'est une réhellénisation qui devient vraiment remarquable à partir du second siècle, donc après l'époque de l'épître aux Corinthiens de Saint Clément. Voilà, on a fait ce rappel, qui j'espère n'est pas sans importance, qui n'est pas purement une digression gratuite. Autre réponse orthodoxe, la lettre n'est pas adressée au nom de l'évêque des Romains, on va voir ça, mais ni au propre nom de Clément. Elle est écrite au nom de toute l'Église romaine, ou au moins du synode presbytéral. Ce seul fait rend douteux tout rapprochement avec Vatican I et la doctrine ultramontaine, parce qu'il est crucial pour Vatican I qu'il s'agisse du pontife romain. C'est le pontife romain qui personnellement a certaines prérogatives. C'est pas la curée romaine. Ce qu'on appellera plus tard la curée romaine. C'est l'évêque de Rome. C'est personne d'autre. Or, la lettre n'est pas écrite au nom de l'évêque de Rome. Là, je donne l'incipit de l'épître aux Corinthiens, donc c'est l'adresse en fait. L'Église de Dieu séjournant à Rome, à l'Église de Dieu séjournant à Corinthe, à ceux qui ont été appelés et sanctifiés selon la volonté de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous viennent du Dieu Tout-Puissant en abondance par Jésus-Christ. Le texte grec, Ecclesia tou Theou, ti parikousa Romin, ti Ecclesia tou Theou, ti parikousi Corinthon. Clitis igiasmenis en thelimati Theou, Διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χάρις ημίν και ειρήνη από Παντοκράτορος Θεού δια Ιησού Χριστού πληθυνθεί. Donc ce qui est remarquable, c'est cette expression qui est typique des premiers siècles, l'Église séjournant à Rome, c'est-à-dire pèlerine, en pèlerinage ou en séjour temporaire à Rome, à l'Église qui est de même en séjour à Corinthe. C'était une expression qui peut s'expliquer de diverses manières. Souvent, on l'explique par le fait qu'on insistait beaucoup sur la patrie céleste. Hein. Épître aux Hébreux, Saint Paul. Nous sommes des étrangers sur cette terre, nous sommes citoyens du ciel et de la Jérusalem céleste, donc on est en séjour. Pareil, dans la première épître de Pierre, Saint Pierre parle du séjour, du temps de notre séjour. Sous-entendu ici-bas.
C'est ton chronon tis parikias. C'est le parikia qui a donné le mot paroisse, qui est tiré du même verbe que là, le participe présent parikousa, ces journaux. Selon Madame Annie Jobert, qui s'occupait de l'édition de l'épître aux sources chrétiennes, l'épître se présente comme une lettre d'église à église. Il est extrêmement difficile de distinguer entre l'auteur de la lettre et la communauté au nom de laquelle il écrit. Cependant, l'église de Rome n'était pas un être impersonnel, et l'épître, qui mettant en valeur le rôle des épiscopes et des presbytres, n'a pu être envoyé que sous l'autorité du conseil des presbytres de Rome. Il ne fait pas de doute qu'un auteur particulier a marqué l'épître de son empreinte. La tradition postérieure a attribué la lettre à Clément, successeur de Pierre, mais ça c'est seulement Tertullien et Eusèbe qui le disent, enfin qui... Il n'y a que Eusèbe qui utilise vraiment l'expression successeur de Pierre, me semble-t-il. Tertullien se contente de dire que Pierre a ordonné Clément. Et les autres auteurs qu'on a vus, soit n'en parlent pas, soit parlent de Pierre et Paul comme d'un ensemble, parlent des apôtres, Pierre et Paul. Donc, pour Irénée, il est successeur des apôtres. Évidemment, parmi ces apôtres, il y a Pierre, mais c'est quand même pas la même chose que de dire successeur de Pierre. Nous n'avons pas d'autres témoignages sur un épiscopat monarchique à Rome à cette haute époque. Et c'est vrai qu'on a vu avec le pasteur d'Hermas que lui ne fait pas du tout référence à un évêque en particulier non plus. Il fait référence au presbytre en général. Voilà, après, on manque beaucoup de documents sur cette époque, donc on ne peut pas tirer énormément de conclusions a silencio. On remarque simplement que à Rome, comme à Alexandrie, on ne voit pas le même accent mis sur un évêque en particulier, comme c'est le cas en Asie, à Smyrne, à Antioche, comme on le voit dans les lettres de Saint Polycarpe ou de Saint Ignace. Mais à vrai dire, c'est une période où on manque beaucoup de sources. Donc les hypothèses fusent. L'interprétation minima consisterait à dire que l'auteur n'était que le porte-parole du conseil presbytéral de Rome. C'est un peu l'impression qu'on a dans le pasteur d'Hermas, si ça parle vraiment de Clément de Rome, c'est que lui, alors on a l'impression qu'il n'est pas encore évêque, mais son rôle c'est d'envoyer des lettres aux autres églises. Il est distingué des presbytres qui dirigent l'église. C'est peut-être... Si c'est Clément, c'est peut-être l'époque où il était diacre ou que sais-je. Parce que souvent, on était diacre de Rome avant de devenir évêque de Rome. On a vu ça avec Éleuthère, d'après Hégésippe. Et donc, on est le porte-parole du conseil presbytéral de Rome. Mais c'est le synode qui est l'entité qui parle à travers Clément. Troisième réponse orthodoxe, savons-nous que l'église de Corinthe a fait appel à Rome? Là, on n'a aucun indice précis, en fait, c'est une supposition. Si oui, est-ce vraiment une preuve en faveur de l'ecclésiologie catholique romaine? Donc, on va commencer par cette affaire d'appel à Rome. Réponse à un appel ou réaction spontanée à un scandale retentissant. Voilà un extrait de l'épître. Il est honteux, bien-aimé, tout à fait honteux et indigne d'une conduite chrétienne, qu'on entende dire que la très ferme et antique église de Corinthe, à cause d'un ou deux personnages, est en révolte contre ses presbytres. Et le bruit en est parvenu non seulement jusqu'à nous, afti iakoi, ou monon ishimas e chorisen, mais aussi à ceux qui ont d'autres inclinations que nous. Alla keistus heteroclinis iparchandas afimon. C'est bien que votre folie fait blasphémer le nom du Seigneur et qu'elle vous met vous-même en danger. Donc on a l'impression, avec ce passage qui est tiré du chapitre 47, que c'est moins que les Corinthiens auraient envoyé une lettre d'appel à Rome pour leur demander d'intervenir, que le fait que leur déboire et leur conflit ont fait tellement de bruit
et de scandale que la rumeur se répandant, elle arrive forcément à Rome et c'est tellement scandaleux et ça dure tellement longtemps. On a un autre passage où Clément dit que la dissension se prolonge, donc ça a duré un certain temps, durant lequel il y avait des persécutions dans l'Empire sous Domitien, et donc on verra que Clément explique que c'est tardivement, selon lui, qu'il se tourne vers ces dissensions, puisqu'il ne pouvait pas avant, à cause des persécutions. Il dit qu'il se tourne vers ces dissensions parce que le nom des Corinthiens est grandement décrié à cause de leur conflit. Et donc, ce passage qui est au début de la lettre, qu'on verra plus tard, plus celui qu'on vient de lire, donne plutôt l'impression que c'est une réaction spontanée, cette lettre. On sait que vous avez un problème, tout le monde est au courant, même les païens sont au courant. Il serait temps de faire cesser ce scandale odieux pour des oreilles chrétiennes, et on vous exhorte à revenir à la paix. Voilà plus ou moins ce qui semble sortir de la lettre, de ces passages. Et pas, ah, vous nous avez envoyé une lettre, donc nous répondons à votre appel, et voici nos instructions. C'est à aucun moment la lettre ne dit ça. Mais imaginons. Ce n'est pas improbable non plus. On n'a pas d'indice particulier, mais imaginons que les Corinthiens aient envoyé une lettre à l'église de Rome pour leur venir en aide. Est-ce que c'est le break, comment dire, le breakdown argument? C'est le point dans la figure aux orthodoxes. Voilà la suprématie romaine exemplifiée. Eh bien non, ça ne suffit pas. On va parler de la dans quelle mesure, dans l'orthodoxie, le droit d'appel à Rome et à d'autres sièges a été reconnu comme canonique et valide et normal. Quand bien même certains des Corinthiens auraient en effet demandé à l'église de Rome, ou même nommément à son évêque, ce qui n'est pas le cas manifestement, de leur porter secours et soutien dans un moment de détresse, cela ne démontrerait toujours rien en faveur du catholicisme romain. Là, on pense à la citation de Amman, qui en effet ne laisse pas penser que c'est une espèce de prérogative romaine. Voilà, retrouver. Hein? La solidarité entre les diverses églises s'affirme particulièrement en temps de persécution de la part de l'Empire, mais aussi quand des difficultés, des tensions, des conflits secouent et éprouvent une communauté, ce qui fut le cas à Corinthe vers l'an 87. Donc, c'est pas présenté comme un phénomène de suprématie romaine sur les autres églises, mais un phénomène entre églises sœurs, qui ont par ailleurs divers prestiges, divers rayonnements. Donc du point de vue du prestige, du rayonnement, de l'honneur, elles ne sont pas toutes égales, mais ce n'est pas la même chose que de parler d'une juridiction universelle immédiate de Rome sur toutes les églises. Mais évidemment, on verra plus tard que faire appel à une autre église suppose qu'on lui reconnaît une espèce d'honneur, de prestige supérieur, en tout cas capable d'intervenir avec l'autorité spirituelle suffisamment reconnue pour que ça paraisse pas ridicule ou complètement déplacé. On ne demande pas à une église non apostolique ou à une église moins importante, moins prestigieux, avec moins de rayonnement, d'intervenir pour régler un conflit dans une église plus importante, ce serait contre les mœurs de l'époque hellénistique, même chez les chrétiens. Donc revenons-en ici. Ce phénomène était et est toujours en effet très courant entre des églises locales dont l'une jouit d'un prestige et d'un honneur supérieur à l'autre. Nous reviendrons plus tard là-dessus en proposant un exemple ancien engageant également l'église de Corinthe, mais cette fois-ci dans le rôle inverse, vis-à-vis d'églises alors moins prestigieuses, dont certaines se trouvaient même hors de la province d'Achaïe. Donc même Corinthe intervenait, entre guillemets, enfin, envoyait des lettres, d'exhortation, à des églises qui n'étaient pas du tout dans la province d'Achaïe, mais à cause de son rayonnement et du prestige spirituel qu'elle avait acquis, et dont la lettre de Saint Clément fait écho aussi. Il parle de l'état ancien de Corinthe, les Corinthiens étaient des modèles en tout, et puis maintenant c'est la dissension, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais ensuite, ça redevient, comme dit Hégésippe, et rentre dans l'ordre, dans la droite doctrine, et ça redevient une grande église qui a un fort rayonnement, et on verra notamment à l'école, à l'époque, pas à l'école, mais à l'époque de Saint Denis de Corinthe. Il suffit pour l'instant de rappeler, par exemple, les canons du concile régional de Sardique, 343-344, la date exacte est débattue, présidé par Saint Osius de Cordoue, un grand confesseur de la foi, qui accorde, après acceptation libre et unanime des évêques présents, principalement occidentaux, puisqu'en fait la délégation orientale a quitté le concile en cours de route, certains privilèges ecclésiastiques à l'évêque de Rome, voire canon 3, 4, 5 et 9, qu'on va voir ensuite, suite à la crise arienne et à la fuite de saint Athanase d'Alexandrie en Occident, afin de réguler les appels à révision conciliaire pour le clergé et les déplacements des évêques et des clercs en général au sein de l'Empire. Donc le concile de Sardique en fait a été réuni par l'empereur d'Orient et l'empereur d'Occident, deux empereurs à l'époque, pour essayer de mettre fin au conflit entre les anti-ariens et les ariens, et notamment à régler le cas de la déposition de saint Athanase d'Alexandrie et d'autres évêques. Il y avait aussi l'évêque de Constantinople, Paul, qui avait été déposé par des conciles en Orient et qui avait fui, littéralement fui en Occident en espérant trouver un soutien à Rome. Évidemment, c'est l'Église apostolique de l'Occident par excellence. Et tout avait été fait par saint Athanase pour convaincre le pape Jules de revoir son cas, qu'il n'avait pas été, n'avait pas été déposé à juste titre, que c'était une cabale contre lui parce qu'il confessait la foi de Nicée, etc. Et donc Jules avait demandé aux empereurs d'essayer de réunir un concile œcuménique pour régler cette question. Preuve déjà que l'évêque de Rome ne peut pas décider ces choses tout seul. Il pouvait pas dire: ah bah non, saint Athanase, il est évêque, la déposition est nulle, voici ma bulle pontificale dans votre face. Ça marche pas comme ça. Il sait très bien qu'il faut réunir un concile qui réunit les orientaux et les occidentaux, donc un concile œcuménique, pour rejuger le cas par une instance plus haute en fait. Et après le concile de Nicée, on a déjà eu le premier concile œcuménique en 325. Donc on sait déjà qu'il y a une instance plus haute possible que le synode épiscopal provincial, c'est le synode œcuménique ou universel. Et malheureusement, ça a échoué. Les deux parties ne se sont pas entendues, et donc le parti oriental a quitté en cours de route le concile, puisqu'il refusait que saint Athanase et les autres qu'ils avaient déposés participent. Et ils ont fait un contre-concile à Philippopolis, où ils ont déposé, anathématisé les Occidentaux, et vice-versa, les Occidentaux ont anathématisé un certain nombre des évêques orientaux, mais pas tous. Donc ça a fini en queue de poisson, comme on dit, et ce n'est pas resté dans la mémoire comme étant, ou dans les canons, ou dans les collections canoniques comme étant un concile œcuménique. C'est un concile régional. Donc voici les canons auxquels j'ai fait allusion, qui finalement ont été reçus par les évêques qui sont restés, donc principalement des Occidentaux en fait. Il y avait Athanase d'Alexandrie, Paul de Constantinople qui étaient là, puisqu'ils attendaient qu'on les rétablisse, qu'on reconnaisse que leur déposition avait été injuste, mais la majorité des évêques orientaux étaient partis. Donc le canon 3, qu'un évêque ne doit pas aller dans un autre diocèse sans y avoir été invité, qu'un évêque ne peut demander l'arbitrage d'un évêque appartenant à une autre province, et qu'il faut exercer l'appel à Rome. Donc c'est la première fois, il me semble, que dans la littérature canonique, on parle de l'appel à Rome. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des cas d'appel à Rome auparavant, mais c'est au Concile de Sardique que ça donne lieu à des canons, à des lois ecclésiastiques, auxquelles on pourra par la suite faire référence pour ce type de situation. Donc c'est une législation, une légalisation d'une pratique qui avait déjà lieu en Occident.
Osius, évêque, qui préside, dit: il faut absolument ajouter aussi que nul évêque ne se rend d'une province à une autre province où résident des évêques, à moins qu'il n'y soit invité par ses frères dans l'épiscopat, auquel cas nous ne devrions pas avoir l'air de fermer les portes de la charité fraternelle. Donc ça c'est pour réguler un peu les excès, les évêques girovagues, qui se baladent un peu partout. Donc, un peu d'ordre. Il faut de même décider que si dans une province un évêque avait une plainte contre son frère dans l'épiscopat, aucune des deux parties ne doit faire venir des évêques d'une autre province pour arbitrer le différend. C'est-à-dire qu'il faut amener le différend au synode de la province concernée. On part de plus local possible, le synode local. Si cependant un évêque pense qu'il fut condamné pour une affaire qui, à son avis, n'est point mauvaise mais bonne, en sorte que le jugement doive être révisé, s'il plaît à votre charité, honorons la mémoire de l'apôtre Pierre, que les juges eux-mêmes écrivent à Jules, évêque de Rome, afin que le tribunal, le cas échéant, soit à nouveau constitué par les évêques de la province voisine, et que lui-même envoie des arbitres. Mais si un pareil tribunal ne peut être constitué, car c'est à lui de décider si l'affaire a besoin d'être révisée, ce qui fut déjà décidé ne doit pas être remis en question, et le décret rendu sera confirmé. Donc ce qui se passe, c'est que le concile prévoit que dans le cas où, malgré un jugement en synode local, l'évêque concerné considère qu'il a été injustement puni, on ne sait pas, excommunié ou déposé, ou défroqué, ce qui était le cas d'Athanase, il peut appeler à Rome. Il peut demander en fait à l'évêque de Rome qu'il il peut plaider à ce que l'évêque de Rome décide ou non de lancer un concile de révision. Ça s'appelle en cassation, je ne sais pas comment on dirait en droit aujourd'hui, mais le concile de Sardique donne à l'évêque de Rome, pour les évêques qui signent, donc on va dire majoritairement pour les évêques d'Occident, le pouvoir de dire ce concile local n'a pas pris une décision, enfin ce concile local a peut-être pris une décision douteuse, ou alors la décision était bonne, donc on n'en reparle pas, c'est un concile qui a été efficace, qui a eu raison, ou alors il y a eu un jugement injuste ou ambigu, et donc on va demander aux évêques de la province voisine de la province où le conflit a lieu de refaire un concile, donc avec des évêques qui seraient pas intéressés directement par l'affaire. Donc on imagine un cas où le concile local, en fait, les évêques sont tous dans le même bateau, sont tous de mèche, seraient tous corrompus ou gagnaient la même hérésie, et donc on fait appel à la province voisine pour faire un concile un peu plus impartial. Voilà. Et éventuellement, l'évêque de Rome peut envoyer des arbitres, donc pas des diacres, des prêtres, pour arbitrer le concile. Canon 4. Qu'il ne faut pas nommer un autre au siège de l'évêque déposé avant que l'évêque de Rome, l'appel étant interjeté, ne prononce sa sentence. Gaudentius, évêque, dit: si cela semble bon, il est nécessaire d'ajouter à cette décision pleine de charité que vous avez prononcée que si un évêque est déposé par le jugement des évêques de la province voisine et prétend avoir à ajouter encore autre chose à sa défense, un successeur à son siège ne devrait pas lui être donné avant que l'évêque de Rome n'ait connu de son affaire et n'ait prononcé sa sentence. Donc si, une fois qu'on a déjà rejugé avec les évêques de la province voisine, imaginons qu'ils soient aussi des Ariens, oh, pas de chance, donc on rejuge Athanase coupable de ne pas être Arien finalement, est-ce qu'il y a encore un recours? Donc le concile prévoit ça, oui, il faudrait qu'il y ait encore possibilité de faire appel à Rome, mais... cette fois-ci, on ne va pas encore... disons que ça prend du temps, tout ça. On a vu que les échanges de lettres, ça prenait du temps, pendant plusieurs jours des semaines. Donc évidemment, le concile local peut être tenté d'installer un nouvel évêque,
pour régulariser la situation. C'est ce qui avait été fait sans doute pour Saint Athanase d'Alexandrie d'ailleurs, et dans d'autres cas. On installe un évêque arien à la place, et voilà, hop. Non, du coup, le concile qui a vu que ça posait problème et que ça pouvait favoriser des courants hérétiques dans l'Église, dit qu'il ne faut pas installer un évêque avant que la réponse de l'évêque de Rome au second appel ne soit connue. Tout ça, on voit bien que c'est pour essayer de régulariser, légaliser des choses qui ont dû être faites en réaction à la crise arienne et à la montée du parti arien en Orient, et qui... c'est un peu les leçons tirées de l'expérience de cette crise. On se dit, bon, maintenant il faut établir des règles pour que, à l'avenir, les choses puissent s'appuyer sur cette jurisprudence, en quelque sorte, ce qu'on a essayé de faire pour le cas d'Athanase d'Alexandrie et d'autres, qui avait été injustement déposé et remplacé. Évidemment, c'est le premier en honneur, l'évêque de Rome, qui est potentiellement le plus, potentiellement le mieux placé pour juger impartialement de la chose. Si, évidemment, sauf si le conflit a lieu à Rome, c'est un peu le problème. Si le conflit a lieu à Rome même, ça va pas vraiment marcher. Mais si le conflit a lieu dans une province en dehors de Rome, on peut imaginer que l'appel à Rome, c'est un appel à une instance vraiment impartiale dans la plupart des cas, et donc qui pourra permettre de faire régner la justice canonique, et en tout cas de limiter la corruption, les injustices, les dépositions abusives. Canon 5. Un évêque déposé peut une seconde fois en appeler à l'évêque de Rome, vu que le pouvoir de réviser la sentence revient entièrement à celui-ci. Donc on a vu déjà qu'il y avait le canon 4 prévoyait déjà un second appel. Osius évêque dit, si un évêque est dénoncé et que les évêques de la même province réunis le déposent de sa dignité et que lui, interjetant un appel, recourt au bienheureux évêque de l'église de Rome, si celui-ci veut bien l'entendre et estime juste de renouveler l'examen de l'affaire, qu'il daigne écrire aux évêques de la province voisine d'examiner avec soin et exactitude toutes choses et d'exprimer leur vote sur l'affaire en toute vérité. On a l'impression que c'est un peu une répétition du canon 3. Si cependant quelqu'un prétend que sa cause doit être à nouveau entendue, et sur sa prière, l'évêque de Rome juge bon d'envoyer des prêtres de son entourage pour servir d'arbitre, il faudra ajouter qu'il sera au pouvoir de ce même évêque de Rome, dans le cas où il le jugera bon et décidera de devoir le faire, d'envoyer des personnes qui, munies de l'autorité de celui qui les a envoyées, jugeront de l'affaire avec les évêques de l'endroit. Donc c'est quand même un jugement synodal. C'est pas des envoyés avec une patente qui transmettent l'ordre du pape, c'est des arbitres qui vont participer au concile en compagnie des évêques de la province pour essayer de limiter la corruption, en fait, tout simplement. On envoie des personnes qui n'ont rien à voir avec le conflit pour qu'elles fassent respecter l'ordre canonique. S'il estime que ce qui a été fait suffisait pour connaître et décider de l'affaire de l'évêque en question, il agira comme il semblera bon à sa très sage volonté. Donc si une fois qu'on a fait appel à Rome, on estime que les décisions qui ont été passées étaient les bonnes, rien, voilà, ça s'arrête là. Les évêques répondirent, ce qui a été dit nous plaît. Donc c'est un peu une répétition des deux canons précédents. Ensuite, canon 9. Que des suppliques ne doivent pas être adressées à l'empereur sans être accompagnées de lettres de recommandation du métropolitain à l'évêque du lieu de la cour ou à celui de Rome, dans le cas où l'empereur est à Rome. Osius évêque dit, toujours le président du concile, « J'estime aussi qu'il est raisonnable, dans le cas où des évêques de n'importe quelle province voudraient envoyer des suppliques par l'intermédiaire de leurs frères dans l'épiscopat, que ce soit l'évêque de la ville principale, celui de la métropole, de la province, qui envoie son diacre avec les suppliques, y ajoutant des lettres de recommandation dans ce sens à nos frères dans l'épiscopat,
qui demeureraient en ce temps-là dans les villes, d'où notre très pieux empereur gouverne la chose publique. Donc, est-ce que l'empereur se déplaçait de ville en ville, il n'était pas toujours au même endroit. Si cependant quelque évêque avait des amis à la cour et voulait par eux demander quelque chose de très convenable, pour qu'il ne soit pas empêché de le faire par son diacre et d'en charger ceux dont il pense avoir le bienveillant appui à sa demande. Qu'il ne soit pas empêché de le faire par son diacre et d'en charger ceux dont il pense avoir le bienveillant appui à sa demande. Donc si en fait la demande concerne quelque chose de tout à fait légitime, raisonnable, en fait, c'est pour éviter les demandes complètement extravagantes, ce canon. Il va y avoir de la magouille, comme on dit. Quant à ceux qui se rendent à Rome, parce que l'empereur se trouvait aussi potentiellement à Rome, surtout qu'à l'époque il y avait un empereur à Rome, un empereur à Constantinople, ils doivent, comme je l'ai dit, remettre à Jules, enfin à Rome ou à Milan, ça dépend des époques en Occident, ça bouge un peu les palais impériaux, ils doivent, comme je l'ai dit, remettre à Jules, notre cher frère dans l'épiscopat, donc c'était Saint Jules Ier, de Rome, les suppliques à présenter, afin que celui-ci examine d'abord si certaines d'entre elles ne dépassent pas les bornes, qu'il puisse alors les envoyer à la cour, muni de sa protection et de son aide. Tous les évêques répondirent que cela leur plaisait et que cet avis était très convenable. Qu'est-ce qu'on remarque de très important dans ce concile? Je ne sais pas s'il est utilisé comme argument par les catholiques romains, je ne sais pas si c'est un argument favori, parce qu'on se rend bien compte que ce qui se passe à Sardique, c'est que un concile a ambition œcuménique, malheureusement ça ne marchera pas, mais l'idée est de réunir un concile œcuménique, donne, accorde, sur l'approbation unanime, ou plus ou moins unanime, puisque les gens sont partis en cours de route, sur l'approbation plus ou moins unanime des évêques présents, accorde des prérogatives canoniques, ecclésiastiques, à l'évêque de Rome. Ce qui est en fait complètement l'opposé de ce que dit Vatican I, puisque selon Vatican I, toutes les prérogatives de l'évêque de Rome sont de droit divin. Il n'y a absolument rien là-dedans qui vient des conciles, qui vient de l'Église en concile. Tout le concile est inférieur au jugement du pontife romain. Le concile est présidé, et les conviés présidés, tranchés par le pontife. Il est un peu là pour décorer dans l'ecclésiologie Vatican I. Les fameux évêques sacristains dont parlait Monseigneur Cibourg. Et on en avait parlé un peu dans la vidéo sur Saint-Irénée. Et là, on voit au contraire que c'est bien les conciles qui accordent, enfin qui promulguent les canons avec discussion, examen et vote. On voit que c'est des minutes de très, très orales, en fait. C'est des minutes du concile. Les canons sont des minutes du concile, en fait. On a un tel évêque qui parle, comme dans les actes. En général, dans les canons, c'est un peu plus formel. Dans les actes, on voit les évêques qui parlent, et puis dans les canons, c'est des textes rédigés spécifiquement pour être des textes de loi, mais là, on voit que les canons eux-mêmes sont en fait les actes du concile, en quelque sorte. Et on voit à chaque fois, le président prend la parole, le juge de Cordoue, il propose quelque chose, il y a d'autres évêques qui prennent la parole, là, il faut que vous regardiez l'ensemble des canons qu'on trouve sur Internet, il y a là, on voit Gaudentius, canon 4, qui dit une chose, et puis un autre évêque dit une autre chose. Et à la fin, on a souvent les évêques répondirent ce qui était dit nous plaît, tous les évêques répondirent que cela leur plaisait, que cet avis était très convenable. Donc on a un fonctionnement tout à fait synodal, tout à fait conciliaire, qui suppose que ces prérogatives, ces privilèges ecclésiastiques accordés par le concile émanent de l'autorité du concile. Et pas de l'autorité personnelle, charismatique, pétrino-charismatique de l'évêque de Rome de droit divin. Ça, c'est important à souligner. Et le fait que dans le canon 3, on ait mention d'honorer la mémoire de l'apôtre Pierre, ça n'a rien de spécifiquement Vatican I non plus. Accorder un privilège à une église en mémoire d'un apôtre fondateur,
Ça ne veut pas dire que, de par cet apôtre fondateur, on a un charisme de droit divin transmis directement par le Christ qui nous rend infaillibles quand on parle ex cathedra, et que ça nous confère une suprématie immédiate, universelle sur toutes les églises, etc. etc. Ça c'est la connexion neuronale créée par des siècles et des siècles de catholicisme romain, mais c'est une lecture de ces textes qui n'est pas du tout objective et en contexte. Honorer la mémoire de l'apôtre Pierre, ça veut dire que on reconnaît que l'apôtre Pierre était le coryphée des apôtres, on reconnaît qu'il avait une sorte de fonction de primus, de prima parmi les apôtres, que en premier le Christ lui a parlé des clés, de lier, de délier, etc. Il lui a rien donné en Matthieu 16-18, c'est ce que souvent les gens ne remarquent pas. Il lui promet les clés, et il les donne plus tard en Matthieu 18, à tous les apôtres. Mais Pierre est considéré comme un signe de l'unité du collège apostolique, un peu comme un primus inter pares, et donc c'est en mémoire de ce... en mémoire de ça, de ce symbole, et du fait que, entre-temps, 3e, 4e siècle, beaucoup de, disons, de pétrinomanie s'est développée à Rome autour des reliques de Pierre, des pèlerinages, autour des reliques des apôtres. Il faudrait conseiller de lire sur ce sujet un livre qui malheureusement n'existe qu'en anglais, qui s'appelle The Invention of Peter, Apostolic Discourse and Papal Authority in Late Antiquity, par George E. Demacopoulos, grec américain qui a écrit ce livre, un universitaire, qui parle justement du développement du discours pétrinien, de l'idéologie autour de Saint-Pierre, qui construit peu à peu, à partir des 3e, 4e siècles, et puis ensuite qui devient une espèce de leitmotiv de l'Église romaine. Donc il faut voir ça en contexte. Il y a toute une littérature parallèle, et même apocryphe et pseudépigraphe, dont les Actes de Pierre et le roman pseudo-clémentin, etc., qui a eu beaucoup de succès, qui étaient très lus à l'époque, mais qui ne sont pas du tout des textes qui font autorité, qui ne sont pas du tout des textes apostoliques ou conciliaires, mais qui véhiculent une certaine idéologie, une certaine vision des choses. Et donc ça marque les esprits, ça forme les esprits. Et de là... quand on dit Rome, on imagine l'honneur de la mémoire de l'apôtre Pierre, ce qui n'était pas si évident que ça à l'époque de Saint-Irénée au IIe siècle, encore moins à l'époque de Saint-Clément, qui ne parle pas une seule fois de l'honneur de Pierre dans son épître, mais ça devient une sorte de leitmotiv qui va avec l'Église de Rome. Mais donc on part d'honorer la mémoire de l'apôtre Pierre. C'est comme quand... le concile de Nicée, il me semble, si c'est pas celui de Nicée, c'est un peu après, parle de Rome, parle d'Alexandrie, parle d'Antioche, et dit Jérusalem, même si elle a été complètement rasée à plusieurs reprises et est devenue une sorte de bourgade, en mémoire et en l'honneur du fait que c'est la cité sainte, que c'est Jérusalem terrestre, que c'est Sion, en mémoire de cela, on lui accorde l'honneur de ville patriarcale, de siège patriarcal, même si la vraie métropole, c'est Césarée de Palestine. Donc voilà, en l'honneur, on pourrait dire en l'honneur du Christ, en l'honneur de Saint Jacques, frère du Christ et premier évêque de Jérusalem, qui a présidé le concile des apôtres en acte 15, etc., on décerne cette prérogative ecclésiastique à Jérusalem. Et là, on remarque la même chose avec Rome. En l'honneur de l'apôtre Pierre, qui était le coryphée des apôtres, qui s'est vu promettre les clés de l'Église, sur qui le Christ a dit qu'on fonde, enfin sur qui, sur sa profession de foi et sur ce qu'il représente à cause de cette confession de foi, on fonde l'Église, etc. Tout ce qui fait... que Pierre sort du lot, en l'honneur de ça, on accorde les privilèges suivants à l'évêque de Rome. Mais on voit que la mentalité du concile, c'est que l'évêque de Rome, c'est un frère dans l'épiscopat, l'expression est dans le canon 9,
notre cher frère dans l'épiscopat. C'est pas un empereur intergalactique. Et son siège a un honneur particulier, puisque voilà, toute cette pétromanie fait que on insiste de manière encore plus forte sur la succession de Pierre à Rome que précédemment. Même si on reconnaît évidemment la succession de Pierre Antioche à Alexandrie, il n'y a jamais eu de problème là-dessus. On accorde ces privilèges à notre frère dans l'épiscopat à cause de l'honneur de son siège. Et c'est une vision déjà qui exprime le point de vue des évêques occidentaux particulièrement. Puisqu'on verra que quand les orientaux parlent de l'honneur de Rome, ils en parlent d'une manière différente. Le canon 3 qu'on vient de lire précise même, si cependant un évêque pense qu'il fut condamné pour une affaire, qui à son avis n'est point mauvaise, mais bonne, en sorte que le jugement doive en être révisé, s'il plaît à votre charité, donc Osius demande aux autres évêques s'ils sont d'accord, ce qui est le propre d'une de l'autorité conciliaire en fait, de ce qui est de droit ecclésiastique et non de droit divin, honorons la mémoire de l'apôtre Pierre. Et que les juges eux-mêmes écrivent à Jules, évêque de Rome, afin que le tribunal, le cas échéant, soit à nouveau constitué par les évêques de la province voisine, et que lui-même envoie des arbitres. Donc on voit que parmi les prérogatives accordées à Jules par le concile, il y a le fait d'envoyer des arbitres pour surveiller que le second concile qui doit prononcer un jugement sur l'affaire soit impartial. Ce concile figure parmi les synodes régionaux reconnus et listés au canon 2 du concile Quinisexte, in Trullo 691-692, donc qui est considéré comme un concile pastoral qui donne des canons disciplinaires pour les 5e et 6e conciles œcuméniques qui n'en avaient pas donné. C'est pour ça qu'il s'appelle Quinisexte, c'est-à-dire 5e et 6e en quelque sorte. Donc il est assimilé comme concile œcuménique. Pour ce qui est de traiter les questions pastorales. Alors la réception de ce concile en Occident, c'est une affaire compliquée. En tout cas, en Orient, c'est très clairement, c'est presque cité systématiquement comme étant du 6e concile œcuménique, alors qu'en réalité, c'est un concile distinct, mais qui avait été réuni avec but de fournir des canons disciplinaires, canons ecclésiastiques, correspondant au 5e et au 6e concile œcuménique. Et donc pour les orthodoxes, il a une autorité œcuménique indiscutable. En Occident, les choses ont pu être plus ambiguës, mais je pense que globalement, il a été reconnu aussi comme ayant une grande autorité. Mais ce serait un autre sujet. En tout cas, le canon 2 liste un certain nombre de conciles régionaux qui sont... sur lequel le concile Quinisexte dit qu'il appose son sceau, c'est-à-dire qu'il les reconnaît comme ayant force de droit, etc. Mentionné dans un même souffle aux côtés de la compilation des conciles carthaginois des 4e et 5e siècles, dont certains des canons visaient plutôt à limiter, voire à interdire, certaines de ses prérogatives romaines, alors fallacieusement présentées par Rome comme émanant du concile de Nicée, et à conserver aux églises africaines leur indépendance juridictionnelle. Parce que pendant très 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 longtemps, jusqu'à Saint Grégoire le Grand, les églises d'Afrique sont réellement des églises autocéphales, enfin une église autocéphale, on peut dire. Ils reconnaissent évidemment l'autorité, la supériorité d'honneur de Rome, mais pour ce qui est de ses propres affaires, de ses propres conciles locaux, elle est très jalouse de ses décisions. Et donc il y a un certain nombre de conciles de Carthage dont certains s'occupent de justement. Cette affaire étrange, il y a trois papes successifs qui envoient ce qu'ils appellent les canons du concile de Nicée, qui est réuni en 325, et auxquels ils ont rajouté les canons du concile de Sardique, comme si c'était promulgué au concile de Nicée. Donc c'est un petit peu une entourloupe, déjà, qui montre une forme de mauvaise foi ou de manipulation de la part de ces papes de cette époque-là. Au lieu de distinguer les canons de Nicée et les canons de Sardique,
sachant que Sardik ne peut pas revendiquer le statut de concile œcuménique. Et ils essaient de donner au concile de Sardik plus d'autorité et d'importance qu'ils en avaient en réalité. Et donc, on reviendra dessus une autre vidéo peut-être, mais l'évêque de Carthage et ses évêques de la même province disent que c'est pas dans leur liste des canons de Nicée et demandent aux patriarches orientaux leur fournir leur version des leur liste des canons de Nicée en grec, l'original. Et donc ils les reçoivent et notamment Saint Cyrille d'Alexandrie envoie sa version. Et ils se rendent compte qu'en effet, ces canons-là qui donnent des privilèges d'appel à Rome, qui donnent le droit à des évêques condamnés localement de demander une révision à Rome, ne sont pas du tout dans le concile de Nicée, mais du concile de Sardique. Et Carthage décide que, du coup, ils ne sont pas concernés par ces canons, que c'est pas un concile qui le... Ce ne sont pas des canons qui ont force de droit selon eux, et donc ils interdisent eux-mêmes par des canons dans leur concile aux évêques africains de traverser la Méditerranée pour se plaindre à Rome d'avoir été mal jugés. Enfin, bon. Donc c'est quand même. Ça montre bien que le canon 2 du concile Quinisext en fait réunit toute une liste traditionnelle de conciles régionaux qui ont été reconnus comme légitimes, ayant pris des bonnes décisions, des décisions. Qui peuvent avoir force de loi, en particulier évidemment ils ont force de loi localement, mais dont les principes peuvent avoir force de loi plus généralement, c'est pour ça que le concile est liste. Mais on voit que du fait que des canons de ces différents conciles peuvent entrer en contradiction si on les met tous à un niveau d'autorité égal, on voit bien que le but du canon 2 de Introlo, c'est pas de. C'est pas de rendre ces conciles des conciles œcuméniques, en fait. Ça donne une reconnaissance œcuménique que ces conciles étaient de bons conciles, qui ont pris des décisions dont il faut s'inspirer, et qui peuvent servir d'arguments canoniques, mais évidemment ça ne rend pas ces conciles des conciles œcuméniques, sinon on les compterait parmi les conciles œcuméniques. Mais ça montre aussi que les prérogatives accordées à l'évêque de Rome par le Concile ne sont pas considérées comme des hérésies, des raisonnements hétérodoxes, du n'importe quoi. Non, c'est un processus conciliaire tout à fait orthodoxe et normal qui a voulu accorder à Rome l'instance d'appel pour éviter un certain nombre de problèmes qui avaient déchiré l'Église et au nom du fait que l'Église de Rome est. Honoré d'avoir été fondé par Saint-Pierre, qui a ordonné probablement les premiers évêques de Rome, enfin en tout cas, c'est difficile à savoir, mais en tout cas, il y a cette tradition qui leur a ordonné Saint-Clément. Et Paul et Pierre sont morts en martyrs à Rome, donc c'est une église très prestigieuse, et ça se sent dans les textes de l'époque. Et du fait aussi que Rome a les moyens, en fait, de. À l'honneur, le prestige et les moyens concrets de faire cela. De recevoir des appels, de relancer des réponses, d'envoyer des arbitres, etc. C'est une église la plus riche de l'Empire aussi. Donc il faut qu'il y ait l'autorité, le prestige spirituel, il faut qu'il y ait l'autorité et le prestige sociopolitique et culturel, et il faut qu'il y ait la capacité pragmatique financière, matérielle, de réaliser les choses. Et Rome réunissait tout ça à la fois. Aucune autre église en Occident ne pouvait se targuer de rivaliser. Donc les canons du concile de Sardique figurent aussi dans le pédalion, pédalion, c'est-à-dire le gouvernail de l'église apostolique, célèbre compilation canonique due à saint Nicodème l'Ajurite, 18e siècle, que personne n'osera suspecter de latinophronie, puisque c'est un anti-latin par excellence, un des pères Colivades, c'est un moine, un hiéromoine du mot Athos, compilateur de la Philokalie, surtout connu pour ça en Occident, mais aussi
compilateur de Pisa Lyon qui réunit tous les canons, justement, des conciles œcuméniques, des conciles régionaux reconnus, conciles Kinisex, etc. Une sorte d'épitome de tradition canonique orthodoxe. L'Église orthodoxe les a toujours reçus comme bons et légitimes, bien qu'en tant qu'issus d'un concile régional, n'ayant pas autorité en dehors du patriarcat d'Occident. On verra l'interprétation de Saint Nicodème le Jurite, sans jamais y voir une quelconque affirmation de la suprématie juridictionnelle immédiate de Rome sur toutes les églises, comme le voudrait Vatican I. Exode.